Ceci étant dit, dans le dernier épisode, nous avions perdu notre défi. Nous étions morts assez débilement. Question de. Pas d'orgueil, mais d'impatience, on va dire. Ouais. Tout simplement parce qu'on. Fuck. Donc, ouais, le changement. Et le changement, c'est maintenant, comme a dit notre président. Alors aujourd'hui, on va attaquer la Ligue Pokémon. Vous avez vu qu'on s'est un petit peu entraîné. Un petit peu, hein. Un petit peu. Donc j'ai utilisé 5 super bonbons sur mon Blastoise. Bon, on est déjà allé à l'Elite Four là-bas, on ne le cache pas, parce que du coup, on a dû charger un petit peu les Pokémon à chaque fois qu'ils étaient morts. J'ai juste augmenté un peu ma distance de rang. Mais ça ne devrait pas changer les PS. Non, vous êtes passé de 55 à 58. Tant mieux. Mais bon, et pour le moment, ça n'a pas chargé encore. Ah, 54, ça commence à chuter pour ce match. Bref. Ouais. Et du coup, donc, on connaît le chemin du labyrinthe, parce que là, vous vous souvenez, dans un jeu, un petit labyrinthe qui a été refait en un peu mieux parce que du coup, comme c'était une vue de dessus le labyrinthe, on voyait la sortie. Donc là, il faut connaître la sortie, on n'y croit pas. Non, bah, du coup, gros, c'est bien. Là, tourne avec gauche, juste là. C'est où qu'on rentre, je sais plus. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Ici, c'est là, après, c'est là. Alors là, par contre, c'est le bordel. Ici, on vient là, on fait une tour, on passe par là, on descend. Et on va donc aujourd'hui affronter l'Elite Four, donc qui se compose de 4 des plus grands dresseurs du monde, plus le dernier, qui va être le master. Le master de tout ça. Alors chaque dresseur a un type particulier, le premier étant le type glace, le deuxième étant le type combat, le troisième étant le type spectre, et le dernier étant le type dragon. Des types assez chelou, ouais. Qu'à le dire. C'est vrai. Pour le coup, on va acheter plus. Donc j'ai déjà acheté des max potions pour l'arène et tout. On va vendre nos ultra balls, je pense. Pokéball, ultra ball, great ball. J'ai même master ball, même si pour le coup. Est-ce que c'est avec lui que je vends? Est-ce que je peux vendre déjà? Est-ce qu'on peut vendre? Je pense pas. Ça me paraît un peu. On ne peut pas vendre. Donc c'est la merde. Bon. Ouais. Je vais acheter un petit revive parce qu'on sait jamais. Je ne peux pas, j'ai plus d'argent. Bon, c'est pas grave. Ah, si, je peux acheter. J'ai plus d'argent. Là, c'est la merde. Du coup, je t'invite à juste taper dans ton micro. Une petite fois. Aïe. Voilà. Aïe, mon doigt. Non, mais c'est juste que je suis pas branché en Ethernet encore. On a toujours quelques petits soucis avec Internet, mais il n'y a pas de soucis. Ça va être vite réglé. Là, on ne t'entend plus du tout. Oui, non. Bon, bref, c'est pas grave. On va voir si on a toujours deux Pokémon qui sont Kabuto et Otaria et Lapras dans notre box, mais ça ne sert à rien, donc on va y aller avec on va mettre des super bonbons, allez, sur Hitmonchan pour un peu le monter un petit peu parce que notre Tignon est d'une efficacité redoutable contre plusieurs types à la fois. Et ça va être, à mon avis, notre sauveur. Alors, autant qu'il soit haut level, parce qu'il y a toujours quelques problèmes. Quand je commence à filmer, je ne vois plus les dresseurs. Il suffit juste que je me découvre au pot. Et puis, c'est reparti. Oh, il est en train de redémarrer. Je ne peux pas me connecter. Mais quoi, le serveur? Oui, c'est bon. Je sais pas, il a pété son câble. Il a dit non. Puis après, il a dit où? Mais genre 2 secondes après, tu vois. Il est un peu d'une humeur lunatique, je crois, ce serveur. Donc, du coup, je me téléporte à Kanto. C'est bon. Là, je download le. Pff, ça sert à rien. J'ai enlevé le ressource pack parce qu'il a bugué encore. Et je ne vois toujours pas mon Pokémon. Je vois un Pokéball partir, mais pas mon Pokémon sortir. Comme le fait, je relève carrément le jeu, moi. Et ah. Ben, on est reparti pour redémarrer le jeu. Je vous retrouve de suite. Après, coucou tout le monde. On se retrouve avec les bruits dégueulasses de ton micro de merde. C'est pas grave. Très bizarre. Oui, c'est tout à fait étrange, mais bon, c'est pas grave, vous l'entendrez pas avec la musique. Normalement, ça devrait être bon. Ça va être réglé dans pas longtemps, je promets. On va essayer. On va essayer. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Donc, toujours. C'est peut-être les petits lots de mon PC là, pour le coup. Non, bah si, c'est coupé, mais ça m'étonnerait. Ah, ils sont là. Ah. Voilà. Luc, on va pouvoir le monter niveau 58, niveau 59, niveau 60, niveau 61, il apprend contre. Ah oui, il a aussi appris une attaque qui est assez badass, c'est Focus Punch et ça fait 150 de dégâts, je vais vous montrer.
moves. Voilà, focus punch 150 et 100 de précision, ce qui est assez bien impressionnant quand même. Il a joué ça en le trainant un petit peu. Donc voilà, normalement on devrait s'en sortir avec ces 4 Pokémon. Les deux autres je les compte pas, c'est des Pokémon pour mettre des revives au cas où. Donc j'en ai deux, un revive normal et un max revive. Et on va donc commencer. Ouais. Allez, c'est parti. Soyons fous. Vas-y, ouf, moi je le sens. C'est parti, on est parti pour l'arène glace. Donc on va commencer avec Tignon, ça tombe très bien parce qu'avec point Lake et point. Bah d'ailleurs, il le fait comme moi. Point Lake et point Feu, ça devrait être passé parce que type glace, ouais. Type eau. Bon, là, il est au premier Pokémon donc on en a pour un petit moment. C'est pas grave, on va faire une petite ellipse le temps qu'ils battent le. Que ça va vous faire une trop de spoil. Et re-coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour se combattre. Ah. Et ben ça marche toujours pas. Can only be battled once a day. Ouais. Faut savoir quand on s'est entraîné. Oui, Bay. Bah, c'est pas grave, c'est... Et re-coucou tout le monde, les amis, on se retrouve après une toute petite pause parce qu'on a eu un problème, donc on avait tourné déjà un truc et puis on avait battu les trucs et ça s'est pas bien fait. Bon, bah, du coup, on a dû attendre un jour. On pensait que c'était un jour Minecraft, mais en fait, c'était un jour réel. Donc on en a profité pour faire quelques petites améliorations, vous l'entendez peut-être. Oui, oui, oui. Il y a un TeamSpeak. Et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien à mes oreilles. Vous entendrez plus le bruit sourd à répétition, vous entendrez le bruit sourd quand il va ouvrir sa gueule. Donc du coup, on va le faire taire. Sa gueule. Du coup, on est reparti. Ouais, on est reparti. Vous entendez peut-être un peu d'écho, mais on réglera ça dans les prochains épisodes. Donc, on avait déjà... Quoi ? Oui, moi aussi. Il est dans le sol, ton Raichu. Ah, c'est bon. Bref, on va essayer de finir ce jeu, enfin ce serveur, ce truc. Parce qu'on a commencé à tourner la série qui va la remplacer. On a deux petites nouvelles à vous annoncer. Donc déjà, premièrement, il va y avoir une nouvelle série. Donc du coup, vous l'avez compris, elle est déjà pas tournée, mais la première épisode est tournée. Je te laisse le combattre en premier, tiens. Ça va être ridicule en premier coup. Allez, ridicule. Ouais, non, n'empêche que... Alors attendez, je vais juste vérifier mon son parce que pour le moment, il fait son combat donc c'est pas très grave. Je vais juste vérifier le son pour savoir s'il est bon, sinon je monterai un petit peu, voilà, etc. etc. Allez, à tout de suite. Voilà, on est de retour, alors vas-y, tu peux reprendre ton combat. C'est un petit peu dur pour lui, mais c'est pas grave, il va s'en sortir. On vous le promet les gens, donc quand je vous disais, alors que ton Dracaufeu est en Inferno. Train de me cramer, pardon. Il est en train de me cramer, c'est marrant, il y avait des fans dans la figure. Du coup, on a deux petites nouvelles. La première qui concerne donc la prochaine série qui va arriver de suite après Pixelmon. C'est une série qui était déjà sur la chaîne à une époque et qui est plus... qui s'est arrêté à la fin. Et du coup, c'est une pseudo saison 2. Bon, j'en dis pas plus, vous verrez très bien. Et on a mélangé ça avec d'autres petits trucs assez intéressants aussi, qu'on avait déjà fait, mais que là, on n'avait pas trop bien avancé. Du coup, c'est assez vague pour vous. Mais toi, tu vas pas passer le premier dresseur, je suis désolé. Au pire, je te filerai, j'ai quelques rappels. Commence doucement et dans la merde. Ouais. Doucement, mais sûrement. C'est pas grave, si tu passes pas, je passerai et puis tu passeras plus tard. On va essayer de passer parce que si on passe pas aujourd'hui, y aura un autre épisode. Ou alors celui-ci ne verra jamais le jour, mais c'est pas grave. Et la deuxième nouvelle, c'était un petit concours concernant Pokémon. Un concours. Pour les 1000 abonnés, mais pour les 20 000 vues du
de la première épisode de la première saison de Pixel Man. Oh oui, j'aime. On vous offre, enfin, on fait un concours où il vous suffira, pas dans cette vidéo-là, mais dans une vidéo qui va arriver dans pas longtemps, pour vous faire gagner un code de Pokémon, de la démo de Pokémon Rosa. Parce que du coup, il, ce chanceux, il en a gagné deux sur Pokémon France. Mais du coup, comme ça sert à rien, comme moi, ma 3DS, bah, j'y joue pas des masses. Et puis Pokémon Rosa, c'est, je préférerais le faire en entier plutôt que de faire la démo. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui la voulaient, mais qui n'ont pas pu l'avoir. Parce que c'est une démo fermée, il faut un code. Et du coup, tu vas te faire exploser. Du coup, on vous offre ce code. Il suffira, bah, vous répondrez aux modalités qui seront dans la vidéo si vous voulez. Bon, ce sera pas très compliqué. Et voilà, c'est tout. Bon, bah, comment dire. C'est fini. J'ai quand même appris des très grosses attaques sur des 2-3 Pokémon. Du coup, je risque de mieux m'en sortir plus tard, mais du coup, c'est un peu tard maintenant pour les apprendre. Donc, voilà, donc il me reste mon Draco. comment dire. Bah, c'est la merde. C'est exact. Ah bah il reste plus mon Draco. Bon bah. Bon allez, nous on y va. C'est parti, on va enchaîner. On va essayer d'enchaîner tous les dresseurs. C'est parti, on va commencer. Donc c'est un Pokémon de type eau, Otaria. Donc on va faire un petit point élec. Ça devrait bien le calmer. Oh, il a pas aimé. Donc comme vous avez dit, c'est doit être probablement le dernier épisode. Oui, oh oui, double point élec, il a pas du tout aimé. Lui, je sais jamais ce qu'il est, je sais pas s'il est glace. Lequel? Celui d'après la. Pokémon Farm et Dimension. Closister. Ah oui, Closister, il est. Oui, je crois qu'il est glace. S'il est glace, je fais un plein feu. Ah, glace. Il est pas glace du tout. Bon, je vais lui faire un Focus Punch. C'est une attaque qui fait 150. Oh, oh one shot. Bon. Du coup, mon team n'a pas perdu un seul fait de vie, un point élect sur Slowbro, ça lui fait pas grand chose. Non, pas grand chose. Alors, du coup, je vais lui faire un Focus Punch. Pas non plus grand chose. Point glace, j'ai un doute. Pour le coup, je vais pas prendre de risque, je vais lui mettre une max potion maintenant. Comme ça au moins je me défends contre les... Voilà, des attaques puissantes qui pourraient... Ah, je crois qu'il m'a gelé. Du coup, je le vois pas en fait. C'est embêtant. Amnésia. Non, je crois qu'il m'a gelé. Du coup, c'est pas grave, je lui mettrai un total soin. Statue Restore, faut qu'il... Voilà. Du coup, normalement, ça va être bon. Et là, je lui refais Focus Punch. Voilà, là ça lui a, ça lui a moins plu. Je refais un Focus Punch. Ah, il m'a encore glacé ce con. Là je vais pas faire le con, je vais changer de Pokémon. Je vais passer sur un Geodude qui ne sert absolument à rien, qui vient de me le one shot avec un Ice Beam. La violence la plus totale. Par contre, ça c'est pas logique le one shot avec l'Ice Beam. Si, parce que c'est quand même, c'est très c'est quand même contre un Pokémon de type. Un Pokémon de type pierre. Pierre et du coup Ice Beam n'est pas mon set. Ouais, c'est pas grave. Il était niveau 50, il était niveau 64 aussi l'autre même. Oui ouais, c'est tout ça je pense. Alors là je. Oh, il a pas aimé l'attaque de type normal. Oh, il a pas aimé non plus l'attaque de type normal. De type glace. Bref, c'est pas grave, je vais essayer de le battre avec Absorb. Allez, du coup ça lui enlève pas super. Je sais pas si c'est plus Pokémon déjà. C'est hard, hein. Idor, putain, Idor. Est-ce que j'ai un Awakening? Déjà, on va faire Tag. HP Restore, on va faire un full restore, donc de suite il récupère à la fois toute sa vie et en plus il se réveille. Et là on lui fait un Focus Punch et normalement je le finis. Ah si, il a raté aussi. Thunder Punch. Oh, il est amoureux, putain. Polo, je ne supporte pas ce Pokémon. Non plus, je n'aime pas du tout.
Du coup, je vais lui mettre un full heal. Je sais pas si ça marche vraiment, en fait. Mais du coup, j'espère que... Mais non, mais il peut pas dormir. Je viens de lui mettre un full heal. Ah, ça me saoule, ça. Bon, je lui mets un réveil. Ça va être mieux que réveil. Ah là, ça c'est fait. Alors Lapras type eau glace. Attends. Un doute. Mon Dieu. C'est pas efficace l'attaque de feu. C'est un gilet. On est vrai. Comme que c'est. Ouais. Ça... Oui non, ça va être efficace. Je vais lui mettre encore une potion juste pour. Ouais, Thunder Punch, ça a bien marché. Un petit Thunder Punch encore. Oui, la phrase face fainted et j'ai passé cette putain d'arène. Alors, là, ce premier champion. Oui, parce que on est 4. Écoutez, pour le moment, je ne vais pas soigner mes autres Pokémon pour un souci d'utilité, puisque ça ne sert à rien. Il va passer les me reste les suivants, au moins. Soigner un Pokémon Vol 54 et soigner un Pokémon Herbe 32, ça sert à rien. Du coup, je vais normalement ici avec une arène de type combat roche, je devrais très facilement m'en sortir avec mon Tortank level 70. Là, j'ai un petit champ de pierre tremblement de terre. J'adore cette tremblement de terre, elle est extrêmement efficace sur énormément de types. Ouais. Impressionnant. Exact. Je vais lui mettre donc là maintenant une potion. Pour sauver une. Ouais, c'est pas nécessaire de suite. Je vais mettre une dropon. Tendance à rater, par contre là je vais faire une bonne fonction. Parce que lui, level 66, il commence à taper gros quand même. Et puis McConnier, il a quand même une tonne de défense spéciale de malade. Voilà, il est mort. Et bah du coup j'ai réussi le deuxième. Plus que 3, j'ai envie de vous dire. Il me reste 11 max potions. Ça devrait être bon. Là, c'est un Pokémon de type spectre. Alors, je vais encore envoyer mon Tortank parce que pour le coup, l'attaque de type morsure de type dark, juste ultra efficace. Je vous laisse en juger par vous-même. Un nouveau channel a été ajouté. C'est moi. Je pensais que ça aurait pas de bruit. Je vois pas pourquoi d'ailleurs. Ah, il est confus. C'est pas grave. Il se laisse dans sa confusion. Allez, tu peux le faire. Tu peux sortir de ta confusion. Voilà. C'est fait. Il m'a envoyé un Golbat. Bon, bah là, c'est ça va aller, hein. Bah, ça va aller. Non, parce qu'il vient de me faire encore ultra fond et ça me saoule. Ah oui, ça c'est relou. Je supporte pas. C'est relou la confusion, oui. Ah oui. Mais surtout que tu peux pas t'en sortir de la confusion, c'est un. C'est vraiment le problème. Et du coup, en plus, il vient de m'empoisonner par derrière. Alors là, pour le coup, je vais lui faire un petit peu de store. Parce que comme ça, je soigne à la fois le poison et à la fois les PV, qui étaient vachement bas. Là, c'est bon. Je suis sorti de ma confusion, c'est le moment de. Et en force. Eh non, ça y est, retourné en confusion. Ah voilà, non, là il était sorti de confusion, c'est juste qu'il a fait une attaque qui a marché. Du coup, là je suis mort sur ça. On a donc un Spectrob, un Hunter. Donc, non, c'est un. Je sais plus comment ça s'appelle. Spectrob, Spectrob Hunter, non, c'est un Valley, ça. Un jeu Spectrob. Non, Hunter, Hunter, je crois que c'est. Ouh, il a pris cher d'ailleurs, le type Spectre. Oui, c'est ça, c'est Spectre. Spectre quelque chose. Là, il Toplasma, peut-être. Il a un Arpa. Toplasma, peut-être.
Non, Ectoplasma, c'est l'autre. L'autre que j'ai battu tout à l'heure. Ah. Je sais qu'il y en a trois. Là, voilà, c'est Gengar, c'est Ectoplasma. Du coup, lui, je vais le battre là maintenant. Normalement, niveau 68, il commence à taper dans les hauts levels. Ça va être chaud de tenir jusqu'au bout parce que si il y a pire après. Spectrum plutôt. Spectrum, ouais, c'est ça. Ah, je suis en train de dormir, bah c'est pas grave, là je vais faire. Non. Non. Je vais faire un statue restore réveil. Voilà, j'ai toujours des réveils. Il n'y a pas de soucis là-dessus. C'est... Mais ça ne marche pas en fait les réveils, d'accord. Je viens de voir en fait. Je comprends pourquoi tout à l'heure je me suis fait entuber parce qu'en fait les réveils ne marchent pas. Je vais essayer de faire un full restore parce que là c'est la merde. Il est empoisonné maintenant. Oh putain. Ah oui, ça c'est le problème, là, je me souviens. Je vais refaire un full restore parce que pour le coup. Franchement, le statut c'est vraiment le. Voilà, mais c'est le problème des types de spectre parce que. Comment dire. C'est vachement mal quand même. Bon, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur un autre Pokémon. Et je vais faire une charge électrique. Je vais essayer de passer sur Pokémon. Parce que il faut que je garde un maximum de. De PP pour l'autre et là j'en ai en rond un petit peu j'en ai... Qu'est-ce qui se passe là, je comprends pas. Ah et voilà, je l'ai buté. Là ça va être chaud parce que j'arrive j'ai plus de full restore et apparemment comment ça s'appelle ? Les restore statues là, je me rappelle plus comment ils s'appellent, les c'est juste qu'ils soignent les statues, mais tous les statues. Ah, bah, les full heal. Les total soins, voilà. Total soins et total restore. Ils marchent pas. Tout ce qui concerne les statues marche pas. Du coup, c'est vrai que c'est assez emmerdant. Bon, j'arrive à Peter. Ça va être chaud. Ça va être très chaud là, je vous annonce de suite. Je sais pas du tout comment je vais jouer parce que des Pokémon de type dragon, il y en a 5 ou 6. Si je passe pas, je passerai jamais. Enfin, je passerai demain, probablement, mais j'ai pas envie d'attendre demain. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que dans le doute, vous savez quoi ? On va pas prendre vraiment de risques. Je peux pas utiliser mon. Ils sont où mes Rebel Max ? J'avais les Rebel Max, je suis sûr. Il y en a un là, j'ai un Revive, mais j'ai pas le Revive Max. J'ai dû. T'as peut-être les dans ta. Dans ton. Le chest. Je l'avais. Ou alors je sais pas. Bon, cela dit, j'aimerais bien utiliser un Revive, mais pour utiliser un Revive, il faut que je sois en combat et. Bon, ouais, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Léviator type O, hein. O dragon. O dragon, ouais. Ah, Thunder Punch, ça devrait pas être pas mal. Ça devrait être pas mal, je pense. Thunder Punch. Il fait morsure. Oh oui. Oh, c'est très efficace, hein. C'est très très efficace. Oui, Draco. Tu peux me le dire, Draco, tu es. Draco, c'est O dragon. O dragon. Alors, je. Mesure de sécurité, on va essayer d'aller le plus loin possible. Alors, je sais pas si. Attends, je vais te dire vite fait, mais je suis. Non, c'est juste dragon. Juste dragon, alors c'est la merde. Oui, c'est la merde. Parce que les dragons, juste dragon, c'est juste très chiant à tuer. Surtout que là, en fait, j'utilise une potion et puis il me remet le même stade de vie, donc c'est même pas la peine. Je vais sortir Blastoise et. Oh là 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 là. C'est impossible. Franchement, c'est impossible. Il va me le buter parce qu'il fait l'attaque qui m'enlève la moitié de la vie à chaque fois qu'il vient et qui me confuse. Message. Ou c'est pas grave. Je vais me faire buter. Là, je peux peut-être faire un focus punch pour essayer de au moins passer ça. Oui,
Il en a un deuxième. Close combat. Alors, the user fight the target up. Does not burn itself. It's accepted. The user defense. Je préfère regarder Focus Punch pour le coup parce que. Bon, elle fait 120-100, mais Focus Punch fait 150-100, alors. Déjà au close combat. Surtout que. Oh, Focus Punch one shot. Allez, oh oui, allez, tu peux le faire. En plus, il a un Ptera là, c'est juste la merde. Allez. Et ça, là, c'est par contre, c'est le combat décisif parce que Dracoloth. Dracoloth. Il est 70 et il vient de me le. Dracoloth, il est. Il est horrible en fait. Il est extrêmement chiant, mais non, il est horrible. Et puis, parce que là, du coup, il vient de me le one shot, mais total. Que je vais faire, c'est que je vais faire. De toute façon, c'est simple. Il me le one shot maintenant. Le. Oui, il le one shotera juste derrière. Voilà, il me le one shotera juste derrière. Mais du coup, je. En fait, non, ça fait strictement rien. Dragon vol, alors on pourrait essayer. Vol, qu'est-ce qu'il pourrait craindre alors? J'ai plus en tête avec le bon. Sur tremblement de terre, n'a pas l'effet. Seb, il est glace électrique roche, il me semble. Qui ça? Ça. Électrique, c'est sûr. Glace sûrement. Glace électrique roche. Il me semble que c'est ça. Et après mal sur. De toute façon, pas le choix. Je vais faire ça. Et si Tignon arrive pas à le battre, je pourrais pas passer parce que j'ai pas de revive, j'ai rien, j'ai pas de. Il faudrait que je réessaye un autre jour. Non, réessayer un peu près. C'est-à-dire qu'on réessayera pas parce que. On va pas passer notre année à essayer de battre. Ouais, on va pas essayer de. Ouais, on va pas passer notre année surtout parce que ça va être super chiant. Et du coup, restore. Et je vais focus punch, on va prier. Oh, il m'a 3 PV quoi, laisse tomber. Et j'ai plus de soin. Il me semble que j'ai plus de soin. Non, j'ai plus de soin, c'est fini. C'était bien tenté, franchement, c'était. J'arrivais loin. Il est resté un Pokémon à ce compte. Ah, fait chier. Et du coup, ils m'ont rendu 3 max, enfin, max potion. Ah putain. Ah, c'est dommage. C'est pas grave. Soit je ferai une autre vidéo où je montrerai la fin parce que du coup, là. Il suffit de le refaire, j'ai tellement monté de niveau que je vais juste les passer à une vitesse folle et puis j'ai 17 000, donc 17 000. Je pense que je vais aller acheter des super potions et pas des max potions parce que les max potions ça coûte super cher. Et ça sert pas forcément. Ouais. Je vais acheter des tonnes de revive et puis on fera ça un autre jour, peut-être dans un épisode annexe quand j'aurai la foi. Mais je pense que je vais appeler cet épisode l'épisode final parce que bon, globalement derrière il restait que le combat final c'est pas que la série nous saoule hein, parce que du coup c'est pas du tout le cas parce que c'est une bonne série, mais bon il faut que ça, que comme les bonnes choses, on a envie de les garder. On n'a pas envie d'être trop saoulé en fait de Pixelmon. Ouais. Et comme je sais que dans pas longtemps il va y avoir une version 1.8 où il y aura tous les Pokémon de Hoenn et que eux ils vont taffer sur la map de Hoenn. Et franchement, avec Ruby et Saphir qui vont arriver dans pas longtemps, ça va être une vraie bonne map. Parce que Kanto ça rappelait des souvenirs, mais Hoenn ça va être super récent et donc du coup, ouais. Ça va être. Franchement, ça va être génial. Ça va être génial, ouais. Après, je sais que la map de Hoenn elle était déjà refaite et que ça c'était pas une map que c'est eux qui l'ont faite, c'est une map qu'ils ont piquée avec la permission et qui eux ont taffé dessus avec Pixelmon pour la rendre jouable. Ils ont fait du très bon boulot. Je rappelle, le serveur c'est mc.pokeballers.net, il me semble. Pokeballers.com. Pokeballers point quelque chose et franchement venez faire cette aventure vous-même. Ils proposent des Iceland, mais bon c'est pas trop ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on avait fait un petit peu sur la saison 1. J'ai quand même la foi, je vous ferai un épisode HS final, enfin final 2 pour
pour vous montrer quand même la fin, parce que du coup, je la ferai peut-être toute seule quand j'aurai le temps. Mais c'est vrai que comme on peut le faire qu'une seule fois par jour, on peut pas se relancer à l'infini. Du coup, c'est vrai que c'est assez embêtant. Et puis c'est plus dur que dans Pokémon classique, parce que dans Pokémon classique, on est vraiment confronté au fait de se combattre tout le temps contre des Pokémon sauvages. Et là, c'est vrai que du coup, on les évite un petit peu. Passer un certain niveau, on squeeze des dresseurs qu'on n'est pas censé pouvoir squeezer dans Pokémon classique. On squeeze des parties de map entier, on squeeze des aventures, on squeeze des énigmes, on squeeze tout. Et du coup, ça fait qu'on arrive devant la ligue, même si on t'entend qu'elle est level 70, mais je crois qu'ils l'ont bien remonté par rapport au temps réel, parce qu'il ne semble pas qu'il y avait un Dracolos level 70. Il me semble que la ligue s'est arrêtée 60, ma grand max. Parce que je me rappelle que j'avais fait à l'époque de la ligue entière avec un Krabos level 70. Et là, avec un Tortank 70, surtout avec Earthquake, Pit et Hydropompe, j'aurais pu largement passer. Mais il me semble que ils ont bien augmenté les difficultés. Ou alors, c'est juste qu'on est très très mauvais. Mais pour le coup, je m'en serais quand même pour la première solution. Bon, j'espère quand même que cette série vous aura plu. On a vu que ça a été la série qui vous a le plus déplu, notamment grâce aux 3000 vues sur le premier épisode. Mon dieu, 3000 vues. Qui on voit encore que c'est une série. Mais c'est bizarre parce que Pixelmon a regardé, franchement, moi, j'arrive pas. Enfin, j'ai regardé. C'est pas moi qui ai découvert je l'avais regardé sur une vidéo d'un américain qui faisait ça et. Putain, mais je me fais chier à regarder. Mais vous, si ça vous plaît, regardez. Hein, moi, ça me... Mais je pense qu'il faut. Et remercier quand même la centaine, les deux centaines, les personnes qui nous ont suivis jusqu'au bout, parce que bon, il fallait le faire avant d'avoir pas mal de soucis sur cette série et niveau micro. Et là, normalement, ça devrait aller mieux maintenant, vous l'entendez probablement. J'ai probablement peut-être coupé la musique, je sais pas quoi. Il n'y a plus de bruit de fond, c'est vrai que c'est assez... bruit de fond dégueulasse, c'est exact. C'est assez... Bon, par contre, il faudra se faire au fait que du coup, c'est un push to talk, c'est pas un talk en continu, donc du coup, il n'y a pas de... Comment dire il n'y a pas de bruit, et quand il parle, il y a du bruit, c'est pas... Ouais, mais bon... C'est parce qu'on n'a pas des micros parfaits, un jour peut-être viendra où on aura des micros parfaits, et là... Vous avez probablement de toute façon le bruit de fond en continu, moi je l'ai pas dans mes oreilles, mais vous avez peut-être probablement le bruit de fond en continu de mon casque à moi. Donc c'est pour ça que ça risque pas trop vous choquer à vous, donc vraiment ça devrait être bon. On espère que ça vous aura plu, vous avez eu un magnifique écho, mais bon c'est pas grave. Faut pas crier. Un petit mot pour la fin. Je voulais dire juste que je me souviens à peu près, ça fait un moment que j'ai joué à Kanto OL. Et les arènes dragons, je crois que le plus gros Pokémon dragon que j'ai battu en arène, c'était Dracolos sur Pokémon jaune, 62 niveaux, niveau 62. Et à partir de Pokémon Pastor One, je crois que c'était niveau 50. Non, ça a toujours été le même niveau en fait. Je crois qu'il était niveau 50 Dracolos, ça fait un moment, c'est vrai. J'étais gamin. Écoutez, je regarderai peut-être. Si le cœur m'en dit, et je vous mettrai le vrai niveau, parce que du coup il suffit d'aller sur Pokébip et taper oui, four, et puis vous avez la réponse puisque vous avez tous les dresseurs qui sont repris, mais je pense qu'ils ont un petit peu compliqué leur jeu pour laisser un peu plus de temps aux gens de s'entraîner, de s'amuser, parce que du coup c'est vrai qu'avec les multi-XP qui nous ont filé à Tir-Larigot, on peut s'en sortir très facilement. Bah du coup mon Tignon qui m'a vraiment bien servi pour le coup, alors que c'était un Pokémon qui était level 35 et à peine quelques dizaines d'épisodes. Enfin, je sais même pas quand on l'a eu 5 épisodes à la fin, il est quasiment 70 maintenant. Et franchement honnêtement c'est mon meilleur Pokémon. S'il avait été un poil plus augmenté, je pense que. Bon, faut dire que je lui ai quand même mis du super bon monde dans sa bouche. Il a bouffé hein. Oui, encore bon. Super bon. C'est pas grave, on n'a pas réussi vraiment, mais je vous mettrai quand même une vidéo où j'y arrive, même s'il me faudra 8 jours, et bien je regarderai. Il y aura peut-être pas de son, il y aura peut-être juste de la musique, je sais pas encore.
peut-être qu'elle sera là dans la vidéo, parce que si j'ai la peine de monter, ben, je serai tenté de le faire demain. Pendant que je suis en train de parler, vous voyez la vidéo en accéléré, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Bah, bref, du coup, on se retrouve pour la prochaine série. C'est le cœur lourd que je vous annonce la fin de cette série, et c'est avec le cœur léger que je vous annonce le début de la nouvelle. Une nouvelle qui prendra, j'allais dire le même créneau horaire, mais non, pas le créneau horaire. Enfin, on a tenu une vidéo par jour pendant 2 semaines, 3 semaines. Ouais. Mais c'est quand même... Mais c'était cool. Franchement, c'est chaud. À tourner, c'est chaud. Surtout Pixelmon, bon là, ça devrait aller mieux parce que Galaxy Trap, c'est relativement rapide à tourner. Oui, c'est pas... Et la prochaine série. Pas on va pas rapide, se cacher. Mais... Galactic Craft ne promet pas encore 45 épisodes. Hein. Non, là c'est bientôt fini. Galactic Craft. Et là. Je sais pas, on est sur la lune là, donc. Le temps de s'établir un petit peu, je veux dire 2-3 épisodes. Le temps de faire une base concrète de 3 épisodes, parce que de toute façon on va pas tout vous montrer, parce que ça va devenir redondant avec ce qu'on a déjà fait. L'installation machin. Et ensuite la visite de la lune avec les 2-3 petits trucs qu'il y a à voir. Un ou deux épisodes et après on va pas aller chercher les minerais pour faire une seconde fusée, on va vous montrer le troisième véhicule. Le second véhicule, juste pour le swag. On ira faire un tour sur Mars parce que bon c'est quand même pour ça qu'on avait placé, il y avait l'extension Mars qui était sortie. On regardera vite fait ce qu'il y a sur Mars, bon, sans avoir frappé la fusée parce que c'est un vrai bordel à faire. Faire tout ce qu'on a déjà fait, mais fois 3 encore, et du coup, ça vaut vraiment pas le coup. Et après, on créera une toute petite base spatiale juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. On la fera peut-être en créatif pour faire une jolie station spatiale, et puis après, on s'arrêtera parce que du coup, il n'y a plus rien à faire. Après, c'est pas une. Bon, on a tout le tech kit à côté qu'on pourrait faire, mais c'est pas le principe de la série, parce que sinon, on aurait appelé ça tech kit. Et pas Galaxy Craft, là c'est vraiment Galaxy Craft le cœur et puis tes kits LED pour nous aider dans Galaxy Craft et puis trouver un petit peu plus de fun que les machines Galaxy Craft qui sont pas forcément très, très intéressantes. Voilà. Qu'est-ce que t'as dit ? Je peux parler. On a fait une bonne grosse séance de. Oui, bah c'est pas grave, on a parlé un petit peu, il y a la moitié des gens qui sont déjà partis, mais c'est pas grave. Et la moitié des restants qui dorment. La moitié des restants qui dorment, et puis... Il est temps de se réveiller. L'autre moitié qui sont vraiment des vrais abonnés, et voilà, c'est pas... Non mais, voilà, de toute façon, vous comprenez. Vous allez voir très bientôt, la prochaine série va sortir, et puis après, j'ai peut-être 2-3 petites idées pour... série après Galaxy Craft, j'ai 2-3 petites idées pour des séries entre Galaxy Craft aussi, donc on va faire une troisième série. Et puis je vais dire un truc, il y aura peut-être du spoil sur Twitter. Pour les peu qui nous suivent. Ouais, il y a du spoil sur Twitter, ouais. On va mettre du petit spoil sur Twitter. Ouais. Vous pouvez aller sur Twitter, parce que du coup on a un Twitter et vous êtes peu nombreux à y être, mais je sais pas, on a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'abonnés qui font plus de vues, mais après, je sais pas si c'est normal ou si c'est comme ça, mais bon, bref, sachez qu'on a un Twitter où on n'est pas vraiment actif, parce qu'il n'y a pas vraiment grand monde, mais si on voit qu'il y a du monde qui commence à s'y mettre, on pourra faire des trucs plus intéressants. On peut s'arranger. Oui, faire des bon, on n'attend pas à avoir des 100 et des 1000 personnes. Non. Quoique 1000, c'est possible, hein. On a presque 1000 abonnés. Théoriquement. Bref, on va arrêter le trêve de blabla. On se retrouve donc dans la prochaine série. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Et la prochaine, peut-être pour une autre saison de Pixelmon. Si vous êtes là sur la chaîne que pour Pixelmon, on vous bannit de la chaîne. On vous bannit et on vous débannit quand on reprend. Ouais, voilà. Ça. C'est le mec juste intéressé par les vues. Juste pour ça. Je suis en train de complètement chier de la route du temps, je sais pas du tout où je vais. Bref, allez, ciao ciao, prenez soin de vous et à la prochaine.